À Odon, bonsoir, son plaisir pour nous faire causer avec vous dans Haïti débat aujourd'hui. Merci, papa. Je salue, De Gaulle, je salue Macron, je salue Gary-Paul Charles, je salue Mitterrand en Ondelan, je salue le peuple haïtien, population plateau central là, et mon Seka Kavajal, une salutation spéciale. Et c'est un plaisir partagé pour nous répondre à l'appel à chaque fois que vous m'avez demandé de intervenir pour nous partager. Ça nous gagne, ça nous connaît, ça nous est fait avec le public là, et nous répondons à l'appel. Et il permet de saluer tout le monde ENA à travers la République, et sans distinction, et même membre ENA qui est au niveau international, ça veut dire gagne qui au Canada, représente ENA qui est au Canada, aux États-Unis, spécialement New York, New Jersey et la Floride. Bien. Député Aoudon. Pardon, donc WAP suive actualité en là, il y a un accord qui joint nous-mêmes qui fait partie de l'opposition. Donc ou gagne une réaction après accord ça qui finit signé. Et première réaction pas moi féliciter commissaire yo parce que nous-mêmes en tant que responsable ENA qui c'est membre secteur démocratique là et alternative constitutionnelle là qui durement a posé signature en balle. Nous féliciter le commissaire qui fait un travail au pair. Et nous croyons que vous allez dans le sens population, vous allez dans le sens peuple, nous croyons que vous allez dans la bonne direction. Et nous croyons que si nous tous nous faisons ça, nous mettons ensemble pour nous conjuguer un seul verbe, pour nous chanter un seul cantique, un seul refrain, nous pensons que dans le jour qui vient, un lieu d'espoir pour peuple haïtien qui jodi a dépourvu de tout parce que d'ailleurs faut que mon Joli Capane depuis l'end a dénoncé exécutif ça surtout l'end t'a dénoncé les 11 millions de gouttes qui étaient qu'on dépensé chaque week-end pour aller faire visite pour grand messie dans dossier caravane faut nous depuis me fin faire dénonciation ça caravane n'a campé parce que c'est 11 millions de gouttes qui étaient qu'on blanchi chaque week-end. Malgré mon papa parler de ça, depuis la caravane dans campé et pas jamais de résultat. Et toutes promesses qui étaient faites sont série de promesses en vain. Ça veut dire jodia, c'est diversion qu'a fait. Président pas capable parler de caravane encore. Il pas capable parler de manger le désir la pas bail peuple là. Il pas capable parler de l'argent t'a parler dans poche yo. Il pas capable parler de travail, il t'a parler baio. Il déroute et jodia la parler de problèmes courants. La parler de problèmes faux contrat courant alors que il te gagne depuis 2 ans et demi à 3 ans, c'est un pouvoir que lui-même, lui héritier, ça veut dire que la légalité comme problème ça y est. Même pour ces questions, est-ce que c'est jodi à président qu'on est problème courant ça, l'été et contrat au témalfait ou pas? D'ailleurs, si bien, plus gros monde, plus premier monde qui participe dans la question, faux contrat dans le pays, lui est le Jovenel Moïse. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas gagné pour le bail peuple comme diversion pour distraire dans le moment ça, pas qu'il y ait menti en construction caravane, pas qu'il y ait menti en construction l'argent en poche. Pas qu'à gagner menti en consommé de l'argent, mettre manger dans l'assiette, mettre manger dans la chaudière, parce que je crase toute assiette, il crase toute chaudière, et il chire toute poche. Je dis à l'ivine avec une autre diversion, une autre bagaille pour peut-être la capable de divertir, puis oublier. Vrai problème, yo, qu'on a éviné avec une question contrat courant qu'elle te gagne depuis 2 ans et demi à 3 ans, il passait pour te prouver qu'elle te gagne volonté pour te remettre contrat ça en question. D'ailleurs, il y a des gens dans le Parlement qui déposent des problèmes ça. Mais ça n'a pas trop intéressé. Étant donné, je dis, il y a une division entre lui-même avec les gens qu'il a soutenu. Ça, c'est même les gens qui ont investi dans la campagne présidentielle. Et ils ont été dans le COB. Étant donné qu'il y a des bagailles qu'il a promis, qu'il ne peut pas respecter, parce que son équipe bonne question, il m'a dit, il a trompé les gens. Et je dis, il a dit, et il a utilisé l'autre manœuvre. Pour montrer qu'il y a un problème avec Montaro, oui, et pourtant, c'est faux. Pas un problème, c'est divertissement la chercher pour la population de Haïti. Député Antoine Rodon, bien-aimé, en alga des rapports, il y a plusieurs acteurs, plusieurs partis politiques. Famille Lavalas, lui-même prend recul par rapport avec le rapport. Ça, c'est qui j'en comprends ça? Attendez, Famille Lavalas, pas prend distance avec le rapport, non? Lui, produit réserve li, quelqu'un doit, c'est son droit le plus entier, li produit certaines, et quelques réserves, qu'elle passe rien, mais lui-même lui dit clair que li nan mobilisation pour le départ du président Jovenel Moïse.
Depuis c'est mon qui dit on a mobilisation pour le départ du président Jovenel Moïse. M'a croyé que nous gagnons voler avec eux. Au contraire, sous même longueur d'onde avec nous. Peut-être que nous avons un problème et soit contre les formes ou bien les vices des formes qui gagnent dans le rapport qui rédigé. C'est droit. Mais étant donné que nous sous même longueur d'onde avec le peuple haïtien qui ont seule revendication, le départ du président Jovenel Moïse, qui est le plus gros bluff fait pays à jamais connaît depuis l'histoire nous. Et m'a croyé que ça nous capable et pour un gros problème, son problème, un petit problème mineur, et qui existe dans tout milieu, dans toute famille, même les gens tournent et commission de passation de pouvoir qui est des médias qui produit un rapport bail là, qui dit choisit les trois juges de la Cour de cassation parmi eux, pour être capable de garder qui est le président et provisoire là. Et il y a un commissaire qui a signé qui produit une réserve, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas adhéré à la fois, il va adhérer à tout ça qui a gagné. Député Antoine Rodon, bien-aimé, il y a plusieurs monde, plusieurs réactions, groupe monde dans la société, hein, qui a fait une lecture et qui t'a expliqué que nouvelle alternative, ça, nouveau contrat, ça, enfin, rapport ça qui vient signé par différents acteurs politiques, il t'a expliqué que 2004 à nos jours, pas de trop changement, c'est presque les mêmes acteurs et on t'a montré que pas vraiment de nouveauté parce que Batalan, c'est après 2004 à 2019, 15 ans plus tard, ils ont trouvé que c'est presque même pas à la capacité, sauf que c'est Moyo qui a changé. L'ité contrat social, nouveau contrat social, je dis, hein, c'est changement de système. Ou pensez vraiment que ça a eu raison, pas de nouveauté dans ça qu'a fait là? C'est mon cap fait diversion parce que ouais, Jovenel Moïse fini. Il va gagner discours encore, il va gagner rien, il va capoter encore, il va gagner, il va parler pour convaincre le monde. Faut que je vienne à un bagaille quand même. Bon, je vais un bagaille. Capane. Moi-même, personnellement, je dis publiquement, je suis le seul monde qui t'accepte, oui, quitter le pouvoir. Je n'ai pas pouvoir ça, je t'accepte quitter, je ne dis pas la dame. Parce que je ne travaille pas de mener pays à pièce côté. Début 2015, malgré que tu es fini. Je m'inscris ensemble avec eux, m'inscris, constater, moi, route qui apprend, par route, qui a mené le pays à bon port, et projet, programme qui vient avec la m'paroué, qui réellement gagne la vie, qui va venir, qui va faire un lieu d'espoir pour faire haïtien. Et depuis là, je vais venir avec Tiblo faire ça, je suis le seul monde qui campe publiquement, me dit, même si je perds l'élection, je ne vais pas débuter encore, je ne vais pas marcher ensemble avec Jovenel. Je ne vais pas marcher en série des nègres, mais je choisis. J'en ai des gens qui ont pris des distances avec eux. Vous avez dit, il y a des gens qui rébellent contre ce système. C'est le premier monde qui te rébellent contre ce système. Ça, je dis que le système n'a pas mené une pièce côté, il faut que nous refaire, il faut que nous redéfinir. Par contre, moi, je crois que un paquet de monde là, expérience capable de permettre de grandir. Ils estiment que tout le monde est capable de faire erreur. Ils estiment que route qui est prêt là, ils entrent vraiment et pour permettre que le pays a changé, ils constatent qu'il va changer. Et puis, ils font vol de face. Même les gens, ils font vol de face. Ils disent, quittez le pouvoir. Et pas tout le monde qui ça, non? Parce que j'en ai dit que je fais cop, j'en ai dit que je pouvoir, m'accepter, me quitter, je me dis non, je ne parle pas de moi-même. C'est faut que courage, oui, pour faire. Il faut que courage, il faut que personnalité, il faut que honte, il faut pas sans honte pour faire. Député Aoudon. Il faut que personnalité me permette de faire. Mais je dis à tout, même Jean Mounsa et tout, je dis, halte là, je estime que il y a des bagages qui doivent être refaites et ils ont viré, pas oublié. En garder Fidel Castro, ils ont le système tout, mais ils ont rédé le système, non? Si Fidel Castro te rebelle le système qu'il était là-dedans, et il fait révolution, et il change, et le produit, ça le produit à Jodia, c'est pour nous d'accord tout, Mounsa a signé, et alternative là, et qui signe, et à quoi ça, à ça, il est capable de rebeller le système dans tout, parce qu'il constate qu'il n'y a pas de résultat. Depuis d'où non? Pour nous quitter pour Simon Cavinio, pour nous quitter pour Jeannio. Depuis d'où non? Et bon, on fait un petit tourner, moi-même, par rapport à la question que je me donc, la question que je c'est, et dans prise de parole ou là, vous parlez de faux contrat, et que le président lui-même l'a occupé de lui. Et pendant que vous parlez de faux contrat, vous dites que le Parlement a soulevé la question ça déjà. Qui ça pour nous comprendre, puisque dans le contrat, l'avocat, que l'État a choisi Jodia là pour aider chercher l'agence Ayo, il parlait des surfacturations, il parlait des dollars qui t'ont gagné, donc c'est de l'argent que t'as dû servir la République. Mais voilà, et il semblerait que, jusqu'à cette présente minute, puisque nous beaucoup connaissons vraiment ça gagné, eh bien,
l'agence ça li pas servi société a qui ça pour nous penser faux contrat ou du moins qui ça li exactement écoutez m pa défendre moun courant non m pa défendre personne mais m'a aller vers le droit le bon droit moi quoi que l'état ici gagne la DGI qui seule instance légale qui pour défendre les intérêts de l'état. La loi pas dit que faut, le président de la République prend l'autre cabinet avocat pour défendre l'intérêt de l'État. Non. C'est Wall, la DGI. C'est les avocats de la DGI qui sont habilités. Ça veut dire même ça, ça fait le mal tout. Étant donné que son compte à régler, c'est le règlement de compte qu'a réglé là, qu'a fait le règlement de compte, c'est des partenaires qui sont ensemble qui ont fonctionné, il y a des bagages qui sont mal partagés et font fonction pour nous créer diversion bien pour nous faire des autres et puis yo utiliser des trois de cabinet avocat en temps normal en temps réel quand un gouvernement réel un gouvernement constitutionnel légal légitime ou après si on va dire avocat ça change côté changer côté mais derrière nous parce que nous connaît nous pas habilité intérêt l'état il défend par la DGI par contre moi crois que si tu as un faux contrat tout pour qui ça gagne la Cour supérieure des comptes. Non mais c'est où que dit ça là, où député ou dit ou dit son paquet de faux contrats président a parlé de lui. Non, moi dit président a parlé de faux contrats, c'est lui qui parlait de lui et pas moi même qui dit. Moi dit s'il a parlé de faux contrats ça yo, faut le ta questionner tête lui d'abord. Parce que le premier monde qui dans faux contrats c'est le président de la République. Parce que lui même lui épinglé nos paquets de faux nos paquets de dossiers louche. Par contre son président a questionner tête lui d'abord. Par contre, moi dis que m'a parlé de faux contrat, non, mais yo même qui parlait de contrat faux, et puis moi répété après yo, selon ça yo dit, yo même qui n'a exécutif là, yo même qui était le président qui l'a depuis 2 ans et demi à 3 ans pour garantir la bonne marche et le bon fonctionnement des institutions. C'est qu'elle pas fait. Ça veut dire lui montrer 1000 fois encore que place va là. Lui montrer plus 1000 fois encore qu'il devait démissionner déjà, parce qu'il pas il va qu'on voit lui, il va à la hauteur. Député à Oudon. Qu'elle pas capable. Député Aoudon. Député Aoudon. Et vous dites comme ça que famille Lavalas, la question que tu as un rapport avec accord qui trouvé samedi, vous dites famille Lavalas dit même qu'il formule certaines réserves par rapport à entente là. Mais jusqu'à cette présente minute, après, jusqu'à ce que moi-même m'a gagné en version contraire, famille Lavalas dit même dans prise de position, il dit que li pour au gouvernement de salut public. Alors que ensemble de entités, marché contrés, alternatives consensuelles, certains membres de la société civile, yo joignent un accord autour de un choix un président provisoire qui doit soutenir la cassation. Ou pas remarqué là, c'est une opposition systématique entre deux et conception ça yo attention même si en pile monde dans pays il y a pas de démocrates mais yo parler de démocratie et yo a vivre de démocratie ya debout non assemblée côté majorité à l'étranger même si ou pas d'accord ou doit aller dans courant majorité ya oui même si ou gen des réserves par contre les m'attendez et quelques dirigeants dans famille la place yo dit clair yo pour le départ des gouvernements. Et ça fait pas ici en mandé, ça veut dire au bon côté peuple là. Il y a un gros problème dans la façon de faire, dans la planification, dans les gens pour gouvernement pas le monter, mais qui m'ont voulu. Et majorité a dit mais qui côté voulu. Alors, ça, nous sommes un problème mineur. Je pense que nous continuons à dialoguer. Et l'équipe a continué à dialoguer avec eux. Je crois qu'au fil du temps, on a fini par attendre nous parce qu'il y a d'accord pour que Jovenel Moïse parti. C'est plus gros. Je crois que c'est plus gros bagage qui a fait le peuple haïtien. Dit oui, il y a d'accord pour le départ de Jovenel Moïse. Et bien, depuis, il y a fini d'accord pour le départ de Jovenel Moïse. Et c'est ça tout qu'on a demandé. C'est ça qu'arrive 10% de peuple haïtien a demandé aujourd'hui. Même les gens qui ont voté, ils ont fait le regret. Ils ont dit, ben, on a apprécié tout fait. Et je parle, ils ont pas attendu. Comme si les gens. Si mon fils est toujours de gombo chaud dans la plate, mais au balai, on a gombo à boule. Et je dis qu'on a même poche qui te coûte l'objet chiré. Même poche qui te coûte bien comme pas bien comme encore. Même chose dire que te coûte monter côté chaud, dire que te coûte monter chaud, dire pas qu'à monter encore. Ça veut dire que je suis venu là, écraser tout chaud net, écraser tout assiette net, il chire toute poche net.
ça veut dire jeune garçon qu'on a 4 mois et n'a fini. Donc ça se favorise pas existe encore. Ça veut dire comprendre ça capable ou même qu'a fait effort pour te qu'on monter dans 4 mois et n'a je dis à sortir pas sur des cafons pas capable. C'est pour la première fois oui. Nous avons un gouvernement qui prend un taux d'inflation à 11% et puis dans environ 2 ans il mettait là plus que 22% là je dis à. C'est pour la première fois, oui, pour un gouvernement qui prend déficit budgétaire à 6%. Déficit budgétaire à environ 7 et 8 milliards de gouttes. Je dis à lui plus parce que 50 milliards. Nous te prenons un taux de croissance. Nous te prenons à 5%. Je dis à là, moins là environ 0%. 0.1%. Pas même 1% même, non. Ça veut dire comprendre bien, oui. Il y a un président qui vient faire des promesses. Qui dit que il va le mettre manger dans assiette tout le monde, il va le bailler, qu'on pourrait mettre dans la poche, il va le créer travail, il va le créer croissance. Pendant la créer croissance, pas Michel créer à l'envers, il prend taux de croissance là, à 5%, je dis à l'IA, il va même à 1%. Il prend taux d'inflation à 11%, je dis à l'IA, plus que 22%. Il prend déficit budgétaire, c'est pas que hier, projet d'investissement dans le pays. Comment bien, oui? Parce que dans toute économie à travers le monde, on a fait déficit budgétaire. Ou faire des déficits budgétaires avec une projection où je m'a fait déficit budgétaire pour me dire m'a investi mais dans 6 mois ou bien dans 1 an m'a commencé produire et production ça va le permettre que me combler déficit à au fur et à mesure parce que me va créer richesse, me va créer croissance, me va créer des nouveaux riches. Je dis à et nèg yo président prend déficit budgétaire ça va être pièce projet du programme d'investissement dans le pays là c'est caravane seulement il est venu avec pour bouler cop pour faire 6 ans, il est plus riche et il prend le déficit budgétaire à environ 11 milliards de gouttes. Je dis, il passe à environ 50 milliards. Et je ne crois pas que ça n'a pas remonté le même temps, 3, 4 ans, 5 ans encore. Mm-hmm. Et au contraire, si le président est lucide, c'est pour le découvrir de l'école. Parce que dans le jour où il vient, il va le plus triste. Il va comprendre ça, il y a des chèques. Il y a des chèques qui impriment dans le financement depuis mardi passé. Je dis, il a fait 8 jours. Il ne va pas mettre chèque dehors, non? Député. Il ne va pas mettre chèque dehors, parce que pas de liquidité. Député à Oudon. Il s'est effondré l'économie. Hein. Député Aoudon. Ça président, c'est promettre, il passe à eux. Ça le passe promettre, c'est lui la fait. Tuer le monde. Je dis, ça veut dire, non, moins que 3 mois là, je vais passer sans combien de monde qui est en mourir, qui est la policière. Elle veut dire, faire police nationale, vient tout non police criminelle. Député Aoudon. Dans habillé civil, comme un vieux civil, là, on vient bandit, il y a habillé qu'on est en police nationale, et puis il a passé tuer le monde dans la rue. Député Aoudon. Oui, oui. On regarde qu'on y a là et pas oublier jodi a yon bagay qui à la base mouvement revendication ça que jodi a n'a pas assisté là ou bien crise c'est surtout un changement l'état que nous gagne ou bien sous table changement système de gouvernance que nous gagne là c'est revendication d'cap dit tout le monde dans la rue mais parmi les gens qui sont dans la rue, ils ont ensemble des entités, les Petro Challengers, les partis politiques, les gens qui sont dans l'église, c'est une seule revendication. Puis il y a aussi les militants qui ont même revendiqué militants. Militants. Ils ont les signes. Donc, ma broma, c'est vrai qu'on dit, famille Lavalas, malgré ça, la composition, on dit son réserve. Mais, en tout cas, m'accepte-t-il comme ça? L'Oga dit. En tout cas, on prend comme réserve, vous dire. Famille Lavalas qui formule en réserve par rapport à côté. Donc, on va choisir président et République là. Et à côté de Famille Lavalas, il y a un groupe jeune qui, à la base, yon mouvement, je dis, qui fait que yon mobilisation de masse, c'est les Petro Challengers. Mais on a remarqué en pile nan yon pat là nan contre ça. Est-ce que ne pas penser que ça a posé un problème pour nous donner une solution réelle à la crise qui a ravagé la société, je dis là. Ou bien dit oui, ou dit en pile nan yo, pas de là. Même j'en ai même pas de là. Non, mais il faut garder la représentativité, ça que t'es là, oui, député. Non, ça est important, oui, ça est important, oui. Ton question posée, ma réponse. Ah oui, mais bien sûr. C'est que Petro Challenge là. C'est que mon l'église là, c'est que mon l'église protestante là, c'est que mon l'église catholique là, c'est que mon la société civile là. D'ailleurs, quand on parle de la société civile, ça veut dire, ou pas, on peut se parler de tout le monde.
Ça veut dire, il y a des gens qui ont fait directement, mais ils ont représentants parce que les Petro Challenger font partie de la société civile. Alors, par contre, je crois que nous sommes capables de créer un faux problème aujourd'hui pour ne pas avancer. Je souhaite que. Lundi, nous, députés, vous voulez parler de qui est-ce? Nous devons parler là, et qui doit parler là, c'est important. Et je crois que nous devons représenter par X ou bien Y, parce que même moi-même, nous devons représenter par des commissaires. Et l'autre bagaille, je ne peux pas parler pour former la valance, parce que je ne peux pas même former la valance. Mais je m'attendais ça aussi. Je vais essayer d'analyser et interpréter ça aussi tout. Parce que je m'attendais, et je lis ça écrit. Et bien, en fonction de ça, je lis, en fonction de ça, je m'attendais, et je analyse, je déduis cette conclusion. Pour me dire que, et yo pas trop de problème, parce que depuis, yo d'accord pour le départ de Jovenel Moïse. C'est un grand pas. C'est un grand pas. Alors, par contre, je crois que si tout le peuple haïtien, c'est ouais, un changement réel, c'est pas ouais, il a participé vraiment dans, en dedans prend pouvoir ou bien en dedans et gouvernement qui vient là. Je ne crois pas ça. Ou pas obligé en dedans gouvernement qui a fait là pour participer dans le changement qui a fait là. Par contre, je crois que ça qui est important, c'est lecture et analyse, discours et projection ou bien proposition tout pour mieux tenir compte de eux et puis au fond synthèse. Après, on fait un brainstorming de tout ça qui dit, et puis il n'y a pas le produit, et nous croyons qu'il y a une conclusion qui va permettre que tout le monde sente que l'intérêt est là et l'intérêt est petit là. Député, qui est étape qui est là actuellement? Étape qui est là, je crois que la commission a commencé, je crois que la coalité dit que a gagné 7 mounes. Et cette nous avons commencé à réunir à partir d'après-midi là, parce que moi-même, nous sommes en pleine réunion là, dans l'alternative consensuelle là, c'est ce qui vous parler avec nous. Et là, nous représentons ENA et en dans le directoire alternative là, nous obligeons ceci pour nous parler avec vous. Et je crois que le commissaire nous en route là, il pourra continuer le débat pour nous joindre qui juge effectivement et qui parle venir. Nouveau comme futur président provisoire dans le jour à venir là, parce que nous croyons que faut signer obligé fait et d'ici peu pour président Jovenel accepter de démissionner et puis pour président provisoire aller installer et puis on a le chita pour réfléchir comment pays va le diriger dans le jour à venir là. OK. David Yao, non, bon pose une question ça parce que nous connaissons son nèg, pas contre si me tromper moi ou très institutionnel. Et jusqu'à présent constitutionnellement, m'pas dans débat de légitimité etc. m'pas là. Moi non principe constitutionnel qui voulait que jodi a parlé là, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, yo reconnaître yon moun ki président de la République qui était élu de manière constitutionnelle. C'est président Jovenel Moïse. Jusqu'à cette présente minute, li poko démissionné. Est-ce que comment Jodia, yon juge dans la cour de cassation qui était prêté serment sous constitution qui pral probablement accepter vil remplacer un président qui élu sans le poko démissionner. Comment on comprend ça? Président Bagay Mabdou, que n'a prôné le depuis longtemps, quand on parle de mandat on continue. Depuis contenu mandat pas respecté n'importe et moun qui te baye mandat ou capable révoquer mandat. De ce fait, il a révoqué le président Jovenel Moïse depuis deux mois de cela parce que contenu mandat pas respecté. Et ma parole c'est pour me dire que nous pas dans la constitution encore. Parce que la constitution te prévoit pour faire élection pour renouveler mandat, collectivité mairie et puis député sénateur. Yo, deux tiers sénat qui mandat ou pas signé là à partir du 2e lundi de janvier. Et moi, dit deux tiers sénat, c'est ça lié avec la Chambre des députés. L'élection est faite depuis le 27 octobre. Depuis le pas fait, la élection pas faite encore là. Nous quittons la Constitution, nous allons la Constitution encore. Ça veut dire que le premier monde qui viole la Constitution, c'est le président de la République. Si c'est le viole la Constitution, c'est pas ça. Ça toujours à répéter, oui, et député. Pardon? Bah, ça toujours à répéter, donc c'est bon, bah, il faut que l'on aille. Si je m'avance sur la question posée, je m'apprépondre. Je dis là, nous pas dans la Constitution encore. Si nous pas Constitution encore, nous pas dans la Constitution encore. C'est un compromis pour nous. Et je dis à ce route ça nous prend, route compromis, route consensus. Et ce consensus qui a commencé à dégager. Et ce consensus qui a permis que nous entendons nous pour un gouvernement provisoire, un gouvernement de salut public, un gouvernement inclusif, et un gouvernement qui pourra
Chita vraiment sont sur les vrais dossiers, les grands dossiers, et qui peut analyser comment parle d'une conférence nationale pour une refaire constitution, pour une redéfinir mode de gestion pays ça, pour n'importe qui voyou, n'importe qui bandit, n'importe qui ancien prisonnier, Pakavine, député, sénateur, président, ministre, figure mon accord. Pour moun sa ou konnen, ran yo se prisonnier, pour qu'il y a fait l'autre bagage social pour yore, faire réinsertion pour yo, et puis pour nous pas la gué pays à la dérive dans n'importe qui moun. Parce que je dis, nous la gué pays à n'importe qui moun. C'est parce que nous pas défini vraie gestion pays à qui va jouer. N'importe qui moun qui a vint président, n'importe qui moun vint ministre, n'importe qui moun vint député, n'importe qui moun vint magistrat, n'importe qui moun vint sénateur, n'importe qui moun vint directeur général, et puis je dis, mettez nous dans sa nier la Josia. Député Minimi. Nous avons des autres généralités parce que nous acceptons pays à gérer n'importe qui gens, pas n'importe qui maillot, n'importe qui bandit. Député, et non concernant le choix qui vient pour faire au niveau de la Cour de cassation, est-ce que c'est avant président Jovenel Moïse démissionner, n'a déjà fait choix ça, ou bien c'est après que le Finbay démissionne? Non, c'est pas comme ça. Au contraire, notre travail arrache-pied là. Notre travail arrache-pied, c'est ça fait nous demander international, il faut qu'ils embrassent les pas. Il faut qu'ils retrouvent les peuples haïtiens, il faut qu'ils retrouvent la majorité. Parce que tout secteur dans le pays a dit qu'il ne reconnaît Jovenel encore. D'ailleurs, c'est pour la première fois l'église catholique, l'église protestante, vaudouisant, maçonnage, pas jamais fait monde, je suis sorti notre tout, où je les avocats, et les militants politiques, les organisations socio-professionnelles, et les la classe politique en entier, et même si machin, les professeurs, toute couche nette dans le pays, je dis, dit que il a parlé Jovenel Moïse. Mais ça veut dire qui ça? N'a pas travaillé à l'HP, ça veut dire qui ça, député? Est-ce que n'a pas choisi avant de démissionner? Oui, n'a pas besoin de mon nom. Et si nous pas bien dans 72 heures qu'a vinn là yo, c'est peut-être chance. Même quoi que y a travail à raspier, m'pa bay le nom, attention, pa bay date. OK, maintenant, y a travail à raspier là, y a travail à raspier, commission a réuni après-midi, demain y a réuni et m'quoi que pour capable avancer plus vite possible, longtemps record avant président démissionner, n'a pas gen non juge ça qui va remplacer là. Maintenant, député Aoudon, et si juge ça nous choisir, l'y accepter pour que le vienne remplacer président pendant le poco démissionner, est-ce que juge ça la promette démission dans la Cour de cassation ou bien l'a toujours été? Et est-ce que vous pas pensé pendant président poco lui-même pour mettre démission, il est capable pour juge ça aller? Président pas gain mandat ça un et deuxièmement nous ne sommes pas encore là. Quand l'en arrivé là parce que désigner juge là, quand il fini désigner juge là et puis n'a pas le connaît qui s'est fait. Mais on seul bagay m'a dit que n'a travaillé sur le plan national et international et aussitôt que décision s'apprend pour président Jovenel Moïse sans des raisons et puis bah il démission sans que ça désigne des cas pour sa capacité en Bolivie va arriver. Depuis là, non. Dans même sens que allô ou là? Moi là. Dans même sens question campagne Joseph là. Parce que constitution comme ou qu'on est li pas accepté que le poste dans ce sens ça y a monde qui juge dans la Cour de cassation li pas capable à la fois président tout est-ce que la promette démission ça veut dire la suspension juge dans la Cour de cassation aussitôt que l'accepter poste là nous pourquoi là l'accepter poste c'est la prédestination vous le dites je juge devant Dieu et devant la nation, de respecter et de faire respecter la constitution en vigueur et les lois de la République, etc. C'est pendant la parole de serment et puis tout le démission. Vous parlez de votre démission comme ça. Et d'ailleurs, nous pouvons arriver là, sans les mises là, on commence à parler. Ok. Et si. Pour capable informer le pays, informer la nation. Ok. Et si président Jovenel Moïse, malgré nous fin choisi juge ça, l'y accepter, il pas décidé by démission qui ça cap passé il pas d'abord j'aime décider by démission non la force des choses pour le faire by démission il pas d'abord j'aime accepter c'est seulement même bien aimé donc qui voulait accepter pour me démissionner et volontairement et puis population la caïmoi a dit non faut que vous mettez là pour me goumer faut que vous mettez en dedans pour me goumer pour yo même c'est prêt pour me démissionner mais lui même qui parle mes pays parle mes peuples ou pas ouais président est offrir peuple la vienne ba au manger la vienne ba au travail la vienne ba au sécurité je dis seulement moi l'offre yo. Ouais, combien de monde président a habillé? Mais un pile monde toujours prêt pour démissionner, il va jamais démissionner. Non, il dit prêt, mais il va jamais démissionner.
Ah non, pas oublier, moun ti mete yo tout faut entrer en conciliation avec yo, oui. Pas oublier pas là pour corps. L'on pas là pour corps, t'es goûter qui te travaille pour là. Faut chita avec équipe là tout. Pour vraiment mais ou ka convaincre équipe là. Si c'est leader oui, ou ka convaincre yo. Attention. Pour accepter décision là. L'on représente ton équipe, c'est parce qu'on met au service de yo, met ou bien met à l'écoute de yo tout. Ou bien vous mettez au travail bon côté yo. Mon tadou et puis loin passé yo. Attention. Ou pas ka wè pourquoi on s'est gagné pas. Mon tadou et puis loin passé yo. Attention. Souhait c'est pas bon, démissionner. On s'est gagné pas dans tout bras, on s'est monde pas ka diriger. C'est toute une équipe. Son équipe, si son équipe, bon Jean pour bailler la fête, bon Jean pour planifier. Sans quoi d'après président Jovenel il a démissionné déjà tout oui. C'est équipe ça là où il faut qu'on démissionner. Dernièrement il était prendre décision pour démissionner oui. Ah c'est vrai. Il était prendre décision pour démissionner. C'est bon tu équipe m'a soutenir là que c'est vinn côté les dit non mon choix pas calaguer nous comme ça parce que lui même il était dans micro qu'il pas gérer rien d'ailleurs je t'assure président gérer là président Jovenel bagaille il a la fait oui tuer monde seulement député Aodon on seul bagaille président Jovenel qu'a fait pour pays aujourd'hui là c'est tuer monde rien encore député Aodon comment tout bagaille près là avant 18 et président avait installé puis il a fait discours le 18 c'est pas ça nous dit la travail. C'est ça porte-parole alternative là, t'es dit, et c'est pas ça. Je ne suis pas porte-parole alternative là, je suis en compte de l'alternative. On m'a responsable. Je m'a parlé en tant que dirigeant alternative là, en tant que coordonnateur national et nationale international, et m'a parlé en tant que député. Je me dis que notre travail, je souhaite que avec certitude, ma préparation est garantie, et non juge là, la dehors, il y a qu'on est d'ici peu, et moyennant, nous croyons que le président Jovenel Moïse a obligé de démissionner. Mm-hmm. Est-ce que tout le bagage déjà fin prêt, puisque moi, par exemple, il a nommé un premier ministre, il a un cortège, il a la sécurité, il a par exemple, Caribé, Fritz William Michel, donc il a déjà balé en côté endroit. Juge, ça qui a nommé un tout matériel fin prêt, sécurité, machine blindée, donc en façon pour commencer à protéger, parce que. Depuis nous finir mettre là, nous choisir, il sera le président de la République. Tout bagarre déjà, ok? Nous pouvons là. Non, mais Fonda, tu as préparé, non? Nous pouvons là. Ah, ok. Puisque nous pouvons là, entendre nous là, et puis, il y a des mesures qui vont. Et nous ça pour nous faire. D'ailleurs, les mesures, ça n'est pas pour nous. D'ailleurs, je dis nos bagages, je crois que l'international est obligé de supporter nous, il est obligé de camper bon côté, peuple haïtien. Il est obligé de camper bon côté, peuple haïtien. Et de fait, je crois qu'il y a camper bon côté, peuple haïtien. Député Aodon. Est-ce que député on dit dans l'hypothèse que nous fin fait choix ça et puis le président Jovenel pas jamais démissionner est-ce que ça pas fragiliser que ce soit moun yo pral choisir là comme président et tout membre gouvernement autour c'est parce que nous connaît la démissionner même moi qui fait n'a fait ça n'a fait là d'ailleurs moi dis ça déjà dit, non nous pas on aller dans l'hypothèse que pas démissionner gouvernement ça qui là son gouvernement qui te gagne un mois pour liquider les affaires courantes oh les wa liquider les affaires courantes ou pas là pour engager l'état ou pas ca nommer moun ni révoquer moun ou un gouvernement qui là tombé là pour arrêter l'a nommer moun l'a révoquer moun on croit que moun qui dans gouvernement yo grand minimum dans droit administratif qui est une branche du droit constitutionnel et du droit public y a des dérives yo te connaît pour pas faire c'est ça fait nous dit que bon bonne décision qu'a prend là son bonne décision nulle en avenir. Par contre, nous croyons que le pays n'a pas de gouvernement, le pays n'a pas de monde qui a dirigé, son pays de monde qui prend l'état d'assaut et qui l'a fait, ce n'est pas la loi, il y a là, c'est pas honnête qui tient de là, il y a là pas la force des choses, mais nous croyons que pas de gouvernement dans le pays aujourd'hui. Parce que le gouvernement qui a voulu dire les affaires courantes selon les prescrits de la Constitution pendant un mois, et je dis à vous, 9 mois. Qui provision constitutionnelle, il y a gagné, nous ne connaissons pas. Il n'y a pas de pièce provision constitutionnelle et il n'y a pas de légitimité. Ça veut dire pas ni légal, ni ni légitime. Bon, de toute manière, je pense que la situation aujourd'hui, là, c'est question nouveau accord. Maintenant, selon vous-même, en conclusion, si vous avez un message pour les gens qui étaient dans la rue, hein, qui a manifesté, et me tendez que matin, Monseigneur Roger Beauvoir, lui-même qui est intervenu, côté que licence crié au secours, il y a un pile de monde qui a mouru grand goût. Et Food for the Poor que lui-même l'a dirigé en Haïti, prêt pour ta servir Mounsao. Mais il y a un problème couloir humanitaire depuis 15 ou 16 octobre. Il y a des jeunes
un petit corridor pour distribuer manger par quelques monde qui soit en prison, soit quelques autres organisations et même l'école. Mais je dis, ça n'a pas arrivé fait et manger là, mais il n'a pas distribué. Est-ce que vous avez un message pour les gens qui sont à côté pouvoir là, qui sont pouvoir, et les gens qui sont en opposition, pour ta permettre que circulation possible pour aider les gens qui sont en souffrance? Moi, je félicite Monseigneur Beauvoir. Je crois que c'est un grand humaniste. C'est un monde qui est très sensible. C'est un monde qui remet le peuple en pile. L'éprouver déjà. C'est un monde qui remet tout le monde en pile. C'est un monde qui remet l'éducation en pile. Il remet l'école en pile pour tout le monde. Jodia, nous souhaitons que lui montre qu'elle toujours aimait le monde. Et dans ça, la fait qui est plus bon pour les Haïtiens, c'est demander Jovenel Moïse pour le démissionner. S'il remet le peuple là, vrai, livré. Pour le peuple là, il y a une liberté, livrer pour tout le monde à l'école. Même Jean-Petit Pagnol là, il veut aller à l'école. Il veut aller à l'école. Tout le monde veut aller à l'école. Nous voyons que c'est Jovenel Moïse qui a un handicap, je dis qu'il n'a pas gagné l'école dans le pays. Nous avons demandé à Monseigneur Beauvoir. Et les gens qui connaissent les gens, les gens qui connaissent les gens, les gens qui connaissent les gens, ils font pour montrer que les gens qui sont les gens, ce n'est pas un ami, ni un pouvoir, un homme qui peut faire oublier sa lié. Monseigneur Beauvoir, je vous demande avec religion pour la paix. Pour montrer que nous voulons la paix dans le pays, demandez Jovenel Moïse, Zamiou, Zami Religion pour la paix, quitter le pouvoir, démissionner. Démissionner pour tout le monde à l'école. Démissionner pour tout le monde aux médicaments. Démissionner pour tout le monde manger. Démissionner pour payer à libérer. Démissionner pour tout le monde suspendre mourir. Parce que c'est pour Monseigneur qu'on connaît son monde, qu'on connaît la vie en pile. Il n'y a pas de voter Jovenel pour tuer le monde dans le pays. Jovenel pas dit peuple là va tuer le monde. Il va dire peuple là va continuer et la sacrifier le monde. Mais je veux dire, tu n'es plus gros sacrificateur. Sacrifier moun, tuer moun, mais habille. Vous comprenez ça, vous dites? Bon, bandit, moun reconnaître, ou faute sur toutes les réseaux sociaux. Député Aoudon, comme vous connaissez, vous finissez parler avec pouvoir, là. Maintenant, opposition a demandé monter barricade, il recevait les barricades. Donc, je suppose que ça a empêché que convoi manger, qui a pour faire distribution, question. L'hôpital, il y a plusieurs hôpitaux, Football du Bousse et Pigou partenaires, ils sont censés fermer les portes dans ces villes de province. Ou pas un message pour l'opposition hein, qui demandait pour barricade l'arrêter jusqu'au bout et qui pourrait annoncer un nouveau calendrier, non? Ça qu'a fait là, c'est pas l'opposition, c'est pas Haïtien qui a fait. Attention. Okay. Moi, nous, ça qu'a fait là, nous mettons sous l'opposition. L'opposition, c'est qu'a bloqué le pays. L'opposition, c'est qu'a mettre tout le monde dans la rue. C'est pas vrai. C'est peuple là qui dit au bouquet avec Jovenel. C'est peuple là qui dit au bouquet à mon bouquet contre le cadavre. Ce peuple là qui dit que yo trop yo grand groupe pas misère trop. Ce peuple là qui dit yo te vote ton président qui te dit qu'il va au manger. Et je dis là, professeur l'école, la police pas qu'à toucher, tout le monde a un problème. Ce peuple là dit au bout qu'à Jovenel, faut que Jovenel aller. Et peuple là quand il est bloqué. Et nous-mêmes nous disons, depuis que c'est bloqué, il est bloqué. Pour que Jovenel, faut tout le monde rester solidaire. Pour nous délivrer pays à une fois pour toutes. Plus jamais, pour jander. Mounsayo pas jamais tenir notre pays encore. Pour que des humanistes fervents qui viennent dans notre pays, des humanistes pour nous traîner moun. Moun qui ont sensibilité, moun qui croient dans la vie, moun qui croient dans la santé, dans l'éducation, c'est eux pour venir occuper le poste dans le pays, pour ne pas mettre des gens de voyous, gens d'individus dans notre pays. C'est ça qu'elle nous dit. Tout le monde qui est barricadio, montez barricadio plus haut. Montez au plus haut pour Monseigneur Yakone, qui vient manger pour le porter par moun, pour vieux, par moun qui est dans la misère, pour le monde de Jovenel pour l'arrêt. C'est ça nous dit. C'est pour monter barricadio plus haut à Créa, c'est le CDV, et puis Monseigneur va dire, ah, Jovenel, retirer quoi parce que c'est tout le monde qui parle. C'est si des gens qui demandé des dialogues ou qui parlent avec Jovenel Moïse, c'est peut-être religion pour la paix avec quelques monde dans l'international là. Même quoi que tout le monde dit qu'on va dialoguer avec nous ça. Parce que son bloc fait son menteur. Il a tout le monde qui trompe tout le monde. Ou pas comme un policier plein, si tout qui travaille pour Jovenel, il tue mon police, l'arrête mon police, il passe mon police, et puis il va même rendre compte des services qu'elle gagne. Ok, gros éditeur. Tout le monde qui rend Jovenel Moïse service et lui rend ingratitude. Lui rend peuple à ingratitude, lui rend pays à ingratitude. Population révoltée et nous-mêmes, comme avant-gardistes, nous accompagnons la population. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui mettons le peuple à l'intérieur. Okay. Et député Aoudon, il y a un auditeur qui. Pour mobiliser dans tous les quatre dans le pays pour monter. Bah, il y a un pire, manifester de tous côtés pour dire Jovenel, il faut y aller pour l'école là capable. Je vais commencer le travail parce que je vais l'école. Ok. Gros titre qui m'a demandé pour me demander pour lui. Et étant donné que l'UE nous persiste en pile sur la question Jovenel Moïse comme problème paysan, et du fait comme l'UE est incapable pour gérer paysan, garantir sécurité peuple haïtien, donc l'UE vient tourner en évidence pour y aller. Mais
les acteurs politiques qui essayaient montrer par A plus B que c'est Jovenel Moïse même qui problème là. S'il y a le lali et puis situation pas changé, est-ce que acteurs politiques ça a toujours gain droit à la parole dans pays hein, pour faire gros gorge ou bien penser au tadou être en silence? Ah, campagne, c'est l'âme de raison vivée même. Du auditeur, tout le monde n'a pas qu'à voler. Tout le monde n'a pas qu'à l'Ougao. Tout le monde n'a pas qu'à Vacabon. Tout le monde n'a pas qu'à Voyou. Moi-même, personnellement, si je n'accepte pas quitter le pouvoir, quitter PHTK, pendant que le président a monté, je dis non, ça ne va pas le pays à pièce côté. Je vais aller comme pour me faire comme avec, d'ailleurs, je vais vous voir le film comme. Je vais aller pas comme là. Je vais accepter quitter, même les gens, tous les gens, ils arrivent d'ailleurs, je vais aller en poste. Je vais aller, même pas quoi. Mba kwe. Même gens tout si moun sa yo ka pral vinn là yo pas embrasser les vraies revendications de masse peuple là côté pral gen des vrais programmes sociaux côté pral gen sécurité côté pral gen mettre tout moun aller en dedans pour tout moun senti vraiment gen une stabilité côté pral faire procès Petro-Caribe faire procès pas seulement Petro-Caribe parce que bon monde il y a parlé de Petro-Caribe yo gamin gen moun qui vole la ministère de l'éducation plus c'est mon qui voit la corps de Petro Caribe. Il va vérifier tout projet qui est exécuté, il va détourner comme ça. Les députés spéciaux dans les sénateurs détourner comme ça. Il faut que vous traînez mon temps devant la justice du côté comme ça vous faites. Et puis vous jugez tout le monde. Jugez tout le monde. Ni monde qui devant les discours, ni monde qui devant les singles, ni monde qui devant les millions, vous jugez tout le monde dans même balance. Et l'État, si vous passez, il y a besoin d'un député d'une mère qui a fait ça. Il y a un député bien là-haut qui vient défendre le peuple là tout beau. Et je vais le montrer comment c'est pas pour job, ma boumé là, ni c'est pas pour poste, ma boumé. Ma boumé pour pays me changer. Ma boumé pour avenir petit, petit, moi yo. Ma boumé pour avenir petit, tout paysan qui te donne mandat yo. C'est pour ça que ma boumé parce que si c'était pour job ou bien pour pouvoir ou bien pour faire l'argent, ma boumé, nous t'as bon côté Jovenel Moïse. Nous t'as bon côté parce que d'ailleurs, depuis notre campagne, nous t'as bon côté yo. C'est un choix que je fais pour me boumé pour pays, c'est moi qui vais aller à la dérive. Par un bon, si tu veux voler, baroter, mafia. Et mettez ma facture et ma prochaine mettre en face, que j'ai un monde qui va venir travailler pour payer réellement. Eh bien, député Aoudon, bien-aimé, son plaisir pour nous discuter ensemble avec vous dans l'émission Haïti Débat Scoop FM. Merci Scoop, merci Gary, c'est mettre gros radio ça. Nous connaissons, payons radio, c'est yon, mais gérer radio, c'est plus gros problème. Parce que bon, pas de monde, pas de problème dans le pays. Gérer yon radio, c'est un bagage qui est difficile en pile. Je dois faire un cadeau radio pour faire fonctionnel. Merci, merci parce que songez-moi, merci De Gaulle, anciens amis, merci de mettre en notre lan, merci Marco, merci Père Haïtien, merci tout le monde de la social, merci Mounsek Akavajan en particulier qui était bon mandat et je suis capable de parler dans nos yeux. Félicitations à tout le monde, félicitations à tout le monde et demandez-nous, continuez à mobiliser, montez-vous à l'écadio, puis vous, faut que je vienne aller dans le jeu. Merci en pile, mesdames, messieurs.